Nous nous réjouissons de constater que le Togo n'a pas attendu l'adoption de l'agenda 2030 et ses objectifs pour procéder à l'intégration des TIC dans l'éducation. C'est à cet effort déjà en cours que l'UNESCO veut contribuer avec le projet CEFIT, dont la valeur ajoutée est de capitaliser sur les expériences précédentes et de créer une plateforme interactive de formation initiale et continue pour améliorer les pratiques de classe. L'UNESCO met cette ambition en œuvre grâce à sa coopération fructueuse avec la République populaire de Chine, qui est actuellement un de nos principaux contributeurs. Merci encore à vous, Excellence, d'être avec nous et pour l'appui que votre pays ne cesse de donner à l'UNESCO et à vos États membres. Le projet China Founding Trust, CEFIT UNESCO Togo, est lancé en 2017. Il vise essentiellement trois objectifs: l'universalisation de l'enseignement primaire, l'amélioration de l'accès et de l'équité dans les autres niveaux d'enseignement et l'amélioration de la gestion et de la gouvernance. Un objectif que le gouvernement du Togo a choisi de traduire en actes concrets à travers une bonne formation des enseignants. C'est un fonds chinois en dépôt à l'UNESCO et qui sert à la formation des enseignants, mais par le biais donc des TIC, c'est-à-dire par les technologies de l'information et de la communication. Et ça rentre dans le cadre donc de la mise en œuvre de l'ODD4 et l'éducation 2030 de l'UNESCO, assez sur l'éducation de qualité et l'apprentissage tout au long de la vie. C'est un projet qui a été donc bien partagé par toute l'équipe, les cadres pédagogiques du Togo. Donc c'est un projet qui est pertinent parce que ça répond à des besoins réels qu'on a identifiés et qui sont contenus dans un document de projet. Le CEFIT UNESCO Togo a également financé l'équipement de 13 centres de formation, des enseignants, de la petite enfance, du primaire, du secondaire et de l'enseignement technique. Avec l'équipement, la machine virtuelle, tout ce que le CEFIT nous a donné, il y a des logiciels pour scénariser un cours. Il y a des logiciels pour faire rapidement les évaluations et sortir les résultats en un temps record. Avant, c'était un problème quand les évaluations finissent. Il faut au moins un mois pour que les résultats sortent. Mais aujourd'hui, c'est très très facile. On peut composer aujourd'hui, le lendemain, on peut avoir les résultats. CEFIT UNESCO Togo a appuyé la création de 7 plateformes d'enseignants et d'apprentissage en ligne et 3 bibliothèques numériques. Nous avons reçu des équipements. D'abord, nous avons une salle CEFIT, nous avons reçu des ordinateurs, nous avons reçu des portables. Avant, on n'était pas trop dans l'éthique, donc on travaillait d'une manière pas adéquate, mais aujourd'hui avec le CEFIT, on peut travailler encore, améliorer encore nos performances et travailler jusqu'à distance avec nos collègues qui ne sont pas avec nous, les apprenants qui ne sont pas avec nous. On peut travailler avec eux à distance. Durant la première phase, le projet a aidé à la structuration de la formation des enseignants grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tous les jeunes, tout le monde s'intéresse au TIC. Donc nous aussi, en tant que centre de formation, bien formateur, nous devons agir sur ce qui intéresse plus la masse pour pouvoir les former. Au total, 320 formateurs d'enseignants ont été formés, soit 1500 enseignants en formation initiale et continue touchée. Dans la plupart des pays africains, nous avons fait des progrès en matière d'accès dans toutes nos écoles. Mais quand vous regardez la qualité, on se demande qu'est-ce que nos enfants apprennent à l'école. C'est vrai, ils viennent, mais qu'est-ce qu'ils apprennent ? Lorsque l'enseignant est suffisamment formé et qu'il maîtrise
vraiment ses techniques d'enseignement et de pratique de classe, il peut donner l'essentiel aux élèves. C'est pour ça que nous avons mis l'accent sur la formation des enseignants, puisque le capital humain est quand même l'essentiel. Nos modules seront élaborés sur l'analyse des besoins, c'est-à-dire les défis, le retour des inspecteurs, tout ce qui constitue un défi pour le système et les problèmes que les formateurs ont sur le terrain. C'est sur cette base que nous élaborons des modules et les mettre sur la plateforme. Et si la plateforme est en ligne, donc là, partout où ils sont, ils peuvent consulter. On a pensé à mettre des modules qui sont plus ou moins des modules transversaux à la disposition de l'ensemble des utilisateurs. Pour que, au cas où, dans une institution, on n'a pas la ressource pour assurer l'enseignement, qu'on puisse au moins organiser ce type d'enseignement, puisque le module est décliné sur Moodle et permet d'assurer des activités d'apprentissage à partir d'un dispositif cohérent qui est à distance. Tout cela est porté par ce qu'on appelle la machine virtuelle, une plateforme avec des applications pour les travaux de conception pédagogique de l'enseignant, mais aussi pour une gestion administrative efficace des centres de formation. Nous sommes en train d'être équipés, mais les formateurs ne maîtrisent pas l'utilisation de ces machines. Donc nous essayons de montrer l'utilisation de ces machines, nous les déposons sur la machine virtuelle, ils pourront consulter ça et après cela, ils peuvent l'utiliser facilement. Maintenant, le rôle de l'enseignant, c'est de chercher à accompagner les jeunes, à les recadrer et à pouvoir se servir de cette connaissance. Donc aujourd'hui, c'est très facile aujourd'hui de connaître. Dans cette machine virtuelle, vous avez à la fois des applications qui sont lourdes et aussi des applications qui sont web. Donc la machine virtuelle servira de machine cliente, mais aussi de serveur. Donc en résumé, la machine virtuelle contient des applications dont a besoin un enseignant pour préparer son cours, pour donner sa classe, pour tutorer. Mais il contient également des aires de pratique pour mettre en pratique les compétences et les aptitudes managériales dont il a besoin au sein de son institution de formation. Cette machine virtuelle est indépendante de la connexion Internet. Et la machine virtuelle est portable. On peut l'utiliser sur plusieurs terminaux. Donc nous avons créé des Wi-Fi terrasses qui permettent d'accéder au contenu pédagogique qui se trouve dans la machine virtuelle dans un rayon de 100 à 150 mètres. Après la mise en place de ce dispositif, maintenant il faut trouver des contenus pour l'alimenter. C'est là qu'on s'est dit, il faut d'abord produit des modules TIC. Nous avons parlé de comment, par exemple, tourner un film, comment monter un film, comment le découper en séquence. Vraiment, chapeau à tous les initiateurs de ce projet. Cette formation est bienvenue parce que ça a vraiment éveillé beaucoup de choses en moi, surtout dans l'administration des modules. À l'époque où vraiment on n'avait pas cette formation, il y a certaines choses qui nous échappaient. Remercier vivement du fond du cœur et souhaiter que l'appui ne cesse pas parce que nous avons besoin encore beaucoup plus d'appui pour continuer et atteindre l'objectif qui est la formation des enseignants et surtout l'éducation de qualité dans notre pays. Vous savez que UNESCO, ce n'est pas la première fois, donc c'est une institution qui est vraiment spécialisée et qui a des compétences réelles dans l'identification déjà des besoins. L'appel, c'est vraiment que l'État prenne le relais, n'est-ce pas? Donc il faudra que ce ne soit pas seulement le partenaire qui est là et quand il part, que le projet tombe à l'eau, il faut vraiment éviter cela. Mais là, je suis rassuré parce que tous les acteurs que nous avons rencontrés sont de cet avis-là.